La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit direct avant d'aller au travail. Beaucoup de gens le verront l'après-midi, après le boulot. Partagez le direct, envoyez à vos amis. On va dire deux petits mots à dire quoi ça. Tu ne peux pas insulter tout un peuple impunément et puis on ne te dit pas ce qu'on pense. Tu as avec ton visage là, tais-toi d'abord, on va te dire deux mots. Voilà. On n'insulte pas un peuple impunément. Voilà. Attendez. Je vais partager le direct. Attendez. Ok. Bon. Un truc sur TikTok. Je suis au même moment aussi sur TikTok. Partagez. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Partagez le direct. Partagez. Voilà. Beaucoup verront ça, je pense, en soirée ou dans l'après-midi ou quand vous allez être calme. Mais pour le moment, on va d'abord essayer de partager. Envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. On va essayer de décrypter un peu quoi ça. On va décrypter un peu quoi ça. Bonjour Franck Kevin, bonjour Angèle Bassès, partagez. Bonjour, nous sommes aussi sur TikTok, Baron de Suisse officiel. Avant de commencer le direct, j'ai deux mots à dire parce que je suis en train de faire les partages. Partagez. Je vais profiter pendant que nous sommes en direct pour dire aux gens de TikTok. Voici mon compte, mon nouveau compte. Baron Suisse officiel. Baron.suisse.officiel sur TikTok. Nous allons migrer là bientôt. Pourquoi? Parce que ce compte-ci, c'est un gars qui a créé ça et me dérange. Il fait le désordre. Donc nous allons migrer ici, sur ce nouveau compte-ci. Allez vous abonner là. Là sur TikTok, vous êtes presque 18 000 abonnés. Si vous allez là, nous allons commencer à faire les directs ici. Baron Suisse officiel. Voilà le compte. Allez vous abonner là parce que bientôt, ce sera par là-bas que nous allons nous migrer. C'était pour les gens de TikTok. N'oubliez pas. Allez vous abonner sur ce nouveau compte. Baron.suisse.officiel sur TikTok. Voilà. Vous aussi sur Facebook. Allez sur TikTok vous abonner. Baron Suisse officiel. C'est ce nouveau compte que désormais nous allons faire les directs là-dessus. Voilà. Le compte ici est le compte où je fais le direct en ce moment. C'est un compte. Vous êtes près de 18 000, 17 000 là-bas. Donc bientôt nous allons migrer sur l'autre compte parce que c'est pas moi qui l'avais créé. Puis ça me crée trop de problèmes. Je n'aime pas trop le chantage. Donc pour éviter tout ça, je préfère avoir un compte que moi-même j'ai fait et qui m'évite tous les problèmes. Bon voilà. C'était pour vous dire ça comme ça. Allez vous abonner là. Je vais commencer aussi par vous dire que le 9 novembre, ça va se passer du côté de Paris avec les 30 ans de carrière de Big Benji Mateke. 9 novembre à Paris, nous comptons sur vous. Allez-y en masse. Et ensuite, le 23 novembre, ça se passe du côté de Fribourg avec le grand Moni Billet. Pour la première fois en Suisse, la soirée des vétérans avec Moni Billet, ça va aller très 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 vite. Je vous montre l'affiche, bien entendu. Je vous montre l'affiche. Voilà l'affiche. Moni Billet sera du côté de Fribourg en Suisse le 23 novembre. Nous vous attendons massivement. N'oubliez pas, le 23 novembre, Fribourg, Moni Billet, bal des vétérans, nous vous attendons massivement. Voilà, en gros. Pourquoi je fais ce direct? Beaucoup de gens verront ça après. Parce que j'ai vu la sortie de Jack Kwasa Kwasa. Qui est Jack Kwasa Kwasa? C'est un ancien boxeur raté. Un boxeur, quelqu'un qui a commencé la boxe, ça l'a dépassé. Il est venu nous trouver sur les réseaux sociaux que, oh, je suis déjà coach.
Le voici ici. Je vais vous montrer sa tête. Parce qu'il faut que je vous montre la tête de Kwasa Kwasa. C'est Jack Kwasa Kwasa. Le voici ici comme un ancien braqueur. C'est lui ici là. Voilà les coachs que nous avons sur les réseaux sociaux. Hein. Il a commencé, le voici ici, peut-être vous ne le connaissez pas, le voici ici. Oh, je suis beau. Les dents même il n'a pas. Même Amer Kamer a les dents à la bouche plus que lui. Amer Kamer a les dents à la bouche plus que le père ici. Voici notre père qui nous insulte ici. Il est parti à la boxe. On a cogné jusqu'à... Il y a dans la moitié de ses dents qui ont disparu. C'est lui qui vient insulter tout un peuple. Tout un peuple. Si tu as les problèmes avec les gens, tu peux les répondre. Mais tu ne traites pas tout un peuple de sel, de machin, non? Moi là, en tant que Camerounaise, je vais te répondre. Je réponds à mon nom propre, la baronne sous officier. Tu ne peux pas insulter tout un peuple. Si nous on a les problèmes avec d'autres, on ne va pas insulter un peuple. On va parler à la personne. En tant que Camerounaise, Suisse d'origine Camerounaise, je ne peux pas accepter que tu m'insultes comme de la merde. Excusez-moi de dire ça et j'accepte. Je ne te dis pas deux mots. Je ne te dis pas deux mots, non. Tu ne peux pas insulter un peuple comme ça. Tu ne peux pas insulter tout un peuple comme ça, on te laisse. C'est quoi avec Francis Ngannou? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Voilà les gens, les imposteurs qui sont sur les réseaux sociaux qu'on appelle les coachs. Quand ça les dépasse, ça vient toujours nous trouver. Voilà les coachs que les gens suivent. Les coachs que les gens suivent. Dis quoi ça, quoi ça? Dis quoi ça, quoi ça? C'est toi qui peux parler à tout un peuple camerounais et tu penses qu'on ne va pas te dire ce qu'on pense? Nous, les Camerounais, là, on a nos différends. On s'engueule. On n'est pas d'accord entre nous. Mais on n'accepte pas que un danseur de Kwasa Kwasa vient insulter tout un peuple. On ne peut pas lui dire ce qu'on pense. Tu n'es pas boxeur. Tu es un danseur de Kwasa Kwasa. Tu veux savoir. Tu veux être sûr que tu es dit. Attends, je vais te montrer ta boxe. Je vais te montrer où tu danses le Kwasa Kwasa sur le ring. C'est toi qui viens insulter les Camerounais. Au lieu d'aller boxer, tu viens danser le Kwasa Kwasa. Il faut voir comment. Le blanc même qui te nappe, il est musclé comme ça là. Les muscles remplis de foufou dedans. Tu es musclé comme ça, il n'y a rien. 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 De celui qui te bat là, on va voir le blanc là, il est plus musclé que moi. Tu es debout avec les muscles remplis de foufou. C'est toi qui viens insulter les Camerounais. Et on ne peut pas te dire ce qu'on pense. On va te dire ça. Et puis ça ne va même pas bouger. Pourquoi tu as désactivé les commentaires sur ta page? Francis Ngannou, te voici, tu es comme un braqueur. Hein? Tu es comme un braqueur. Moi, je ne comprends pas. Je dis, tu connais... Quoi ça? Tu connais Amer Kamer. Tu connais Amer Kamer. Pour nous, là, c'est notre dernier genou, là. Quand on dit que tu es... Amer Kamer, c'est que tu es le dernier des derniers au Cameroun. Même lui te dépasse. Amer Kamer, notre dernier, c'est-à-dire qu'au Cameroun, c'est le las. C'est le seul gars que personne ne croit. Même lui là, il te dépasse. On met Amer Kamer, on te met, je prends Amer Kamer. Amer Kamer a les dents plus que toi dans la bouche. Je viens de remarquer ça. Il n'y a pas de dents dans ta bouche. Hein. Il ne faut pas qu'on dise, te voici. Amer Kamer a plus de dents que toi. Amer Kamer. Notre Amer Kamer, que nous on dit que c'est le las du pays. Lui, il a plus de dents que toi. Amer Kamer, c'est le las de notre pays. Lui, il a plus de dents que toi. Regarde, est-ce que... Mais attends, tu es comme un braqueur. Et puis je vois des gens disent que c'est un coach de vie. Des imposteurs. C'est pour ça qu'on vous dit que, mes chers frères et sœurs, n'écoutez pas tous les coachs que vous avez. Il y a beaucoup d'imposteurs. Oh, c'est lui qui donne les conseils. Oh, c'est lui qui disait, ah, qu'il est ceci. Oh, les hommes faites comme ça. Oh, les femmes faites comme ça. Lui-même, là, sa vie le dépasse. Il donne les conseils. Faire quelque chose l'a dépassé. Il a dit qu'il veut déjà faire la boxe. Maman, on le naquait là-bas. Comme... Il faut voir comment, si c'est combat de ring. Il est ici, il donne le coup de poing. C'est-à-dire qu'il est ici. Son adversaire là-bas, il donne le coup de poing. Il donne le coup de poing dans le vent, il tombe encore seul. Dis quoi ça? C'est toi qui peux insulter un peuple? Hein, quoi ça? Tes muscles, c'est de la bouillie? C'est de la bouillie? Tu ne peux pas insulter un peuple? Tu n'es pas d'accord avec toi, tu ne peux pas te mettre à insulter tout un peuple. En tout cas, hein, Lokameni a dit que
que tes muscles là, tu es entré dans les sectes pour qu'on te mette la bouille dans les muscles pour que tu impressionnes les femmes. C'est ce que Lord Kameni a dit. C'est notre malame, c'est la malame du Cameroun. Nous là, il y a une seule malame au Cameroun, c'est Lord Kameni. C'est la malade du Cameroun. Elle dit que tu es entré dans les sectes pour gonfler tes muscles. Papa, donc, tu fais toute la secte là seulement pour sortir tes muscles. L'Okamina a dit ça. Quel est tort, quelle a raison? Elle a raison. Pour une fois dans ma vie, l'Okamina a raison. L'Okamina a raison. Pour la première fois dans ma vie que donne raison à l'Okamina, c'est avec toi, Jack, quoi ça, quoi ça. Oui. Elle dit que tu es entré dans les sectes juste pour avoir les muscles. Mais moi, je crois qu'elle a raison, hein. Ah, non. Déjà, quoi ça? Elle a raison. L'Okamini, tu as raison. Tu pars dans les sectes juste pour gonfler tes muscles. Et les muscles ne te servent à rien. Tu arrives sur les rings. Un mince what? C'est même pas un mot. Un mince what te chicote. Et c'est toi qui veux parler à Francis Ngannou. Donc, gars, te chicote jusqu'à... Tu donnes les mawashi guéris avec le vent en l'air. C'est-à-dire que toi-même, tu donnes le coup, toi-même, tu tournoies, tu tombes. Tu veux voir ça? Et puis, c'est toi qui parles au Cameroun. On va voir ta boxe ici, là. On va voir ton niveau. Comment? Tu veux passer, on est calme que tu veux. Nous, les Camerounais, là, on a nos problèmes. Il faut dire les vérités, hein. On a nos différends. Il y a, bon, déjà, quoi ça? Il y a les églisiens, il y a les hiboux, il y a les ceci, il y a les cela, il y a ceux qui aiment. Paul, il y a ceux qui sont contre Paul, il y a ceux qui veulent le changement, il y a ceux qui ne veulent pas le changement. Mais quand tu viens insulter tous ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec eux, on s'assoit d'abord, on pose nos différends à côté et on te dit notre vérité. Parce que tu peux répondre aux gens qui te parlent mal sur ta page sans indexer tout ton peuple qui ne t'a rien fait. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, déjà, quoi ça? Voilà les coachs de vie sur les réseaux sociaux. Des imposteurs. Des imposteurs qui viennent donner des conseils alors qu'eux-mêmes sont incapables de suivre ces conseils. Est-ce qu'un coach est émotif? Simba, tais-toi là-bas. Si tu t'amuses, je te montre Simba. Simba, c'est mon chien. Même lui, tu ne peux pas le taper. Tu ne peux pas taper Simba. Simba a 70 ans. Simba, mon chien, il a 70 ans. Déjà, quoi ça? Tu ne peux pas taper Simba. Si tu veux, tu viens chez moi et te montre Simba. Simba te gifle, pom pom, il te pose par terre. C'est le peuple camerounais que tu veux insulter. Que oh, vous êtes les ceci, oh, vous êtes les cela, oh, vous prenez l'eau, vous faites comme ça. Au Congo, on ne se lave pas dans les seaux. Pourquoi vous voulez manquer de respect à un peuple? C'est pas parce qu'on est calme, on a nos différends. Hein? Mais d'abord, on va déposer nos différends. Quand tu insultes tout un peuple, on te répond. Ceux qui sont pour le changement, oh, ceux qui sont contre le changement, oh, ceux qui sont d'accord, oh, ceux qui ne sont pas d'accord, oh, les hiboux, oh, les églisiens, oh, on met d'abord à côté. On s'assoit d'abord, tu nous dis pourquoi tu insultes tout le peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux insulter le Camerounais? Mais c'est comment même? C'est pas parce qu'on s'est laissé aller que vous pouvez venir nous parler comme ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi ça? Un imposteur qui dit qu'il est coach, tu viens insulter les gens, tu crois que quoi? On te suit, hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu prends les vidéos des gens, tu bavardes. Si la boxe t'a dépassé, va travailler. Tu es sur Internet pour chercher l'argent. Donc c'est le peuple camerounais ton moins cher. C'est quoi ça? Faut quitter là-bas. Tu ne peux pas insulter un peuple et on va te dire ça, Aura. Moi, je te dis que le Camerounais que tu vois là, on se niagamit sur les réseaux sociaux, hein? Je te dis bien, déjà quoi ça? Dans au Cameroun que tu vois là, en ce moment-là, il y a les hiboux et les églisiens, il y a les pro-changements, il y a les contre-changements, il y a ceux qui se niagamis, il y a ceux qui se battent. Mais je te dis une seule chose que tu ne dois jamais oublier. Si tu t'attaques à tout ce peuple, ils vont oublier tout le différent et te répondre assis par terre. Et puis il n'y aura rien. Déjà, tu es jaloux de Ngannou. Ngannou, ce n'est pas ton camarade. Oh, Ngannou, mais il faut habiller Monsieur Ngannou. Monsieur Ngannou, si tu étais fort, tu serais sur les rings. Tu es sur les réseaux sociaux avec nous. Nous, on t'a dit qu'on fait la boxe. Les réseaux sociaux, tu viens, tu parles, on te dit ce qu'on a dit. Tu dois avoir le cardio. Puisque tu es sur les réseaux sociaux avec les gens, tu n'as pas le cardio, comment? On te dit un mot, tu insultes tout un peuple. C'est quoi ça?
est jaloux de Nganou, il faut nous dire Nganou c'est un king. Nganou c'est le boss. Nganou is the boss. Il est champion UFC, champion de PPL, Nganza. Mais c'est le king pour le moment là. Est-ce qu'il peut te toucher? C'est avec un doigt que Nganou te tape. Regarde, il te montre ta part de combat. Hein. Ta part de combat. Celui qui te naque là, c'est un petit black, un white, il est mince comme ça. On peut gifler quelqu'un comme ça. On va voir ta part de combat. Regarde, tu te vantes que tu es beau. Il a dit que même Amer Kamel, les dents, elle a la bouche plus que toi. Amer Kamel, c'est notre las. Il a dit bien, c'est notre las. C'est le seul, je te dis, il est le las des Camerounais. Mais même lui, il a réussi à avoir les dents à la bouche plus que toi. Et c'est toi qui nous insultes. Non mais attends, mon frère, il faut nous respecter, tiens. On va voir ta part de combat. Allons voir ta part de combat. Hé, hey, maman, on peut tomber comme ça. Dis quoi ça. On va voir comment tu bagarres, maman. Te voici ici. Attends, on va arrêter. On va pas mettre le son. Attends. Attendez. Dis quoi ça. Hey, on peut tomber comme ça. Attendez. Le voici ici. Attends, on enlève le son. Pourquoi on ne me coupe pas la vidéo? Te voici ici, on est en train de te sonner. Vous voyez quelqu'un? Il donne le coup de poing. Ça n'arrive même pas sur la vérité, il tombe. C'est lui qui parle de là. L'adversaire là-bas, il donne le coup de poing ici, il tombe lui-même. On peut être faible comme ça? On peut être faible comme ça? Et c'est toi qui viens donner, c'est toi qui veux donner les conseils de boxe? Mais il y a des imposteurs sur la toile. C'est toi qui veux donner les conseils de boxe? Mais on te voit boxer, non? Le blanc qui te bat est mince. Tu es ici, tu donnes le coup de poing, toi-même tu tombes sur ton propre coup de poing. Hein? On peut être énorme. Mais c'est le couscous que tu as encore, mon petit. Attends, on va voir. Te voici. Attendez. Mais. Lève-toi. Allez, debout. 7, 8, 9. Il part encore. Allez. On tourne. Attention. Regarde le petit qui est mince là. Attendez. Ah oui! Le voici couché par terre. Il a donné le coup de poing au Watt. Le Watt a seulement esquivé que chien. Il s'est retrouvé au sol. Vous. Dia quoi ça? C'est toi qui peux parler à nous. C'est toi qui peux parler au Camerounais. Même danser le quoi ça? Non mais attends. Tu es un boxeur ou un danseur de quoi ça, mon frère? On peut tomber comme ça? Mais on va voir, non. Et le blanc, on va montrer le petit blanc là. C'est lui, il t'a enlevé l'eau dans la... C'est toi qui veux donner. Le blanc est mince comme ça. Tu tiens là comme un gorille, sorti comme ça avec les muscles pleins de bouillie. Tu viens là. Le gars t'a giflé jusqu'à tu fais les tours. Tu fais les perlots sur toi seul. C'est toi qui veux nous parler. Choy. 1, 2, 3. Tu peux te lever, lève-toi. Oui, lève-toi. 7, 8. Bon, il part encore. Dernier courage. Petit blanc l'a dit que attends. Il part encore. 1, 2. Il est à partir encore. Il est par terre. Le voici encore par terre. À genoux. Il est à genoux, hein. Ne finissons pas. Il est en train de. À quatre pattes. Voici le petit blanc là. Le petit blanc là. Il est mince. Le voici. Tu combats seul, mon frère. On peut combattre seul comme ça. Voilà le petit qui l'a battu. Attendez. Je montre le petit là. Voici le mince petit gars qui l'a battu. Vous voyez le corps. Le corps est petit. C'est toi qui m'as insulté les Camerounais. Regarde le petit corps qui t'a battu. Tu fais même les... on peut être mou comme ça. Voilà. Déjà quoi ça?
Voilà. Voilà le petit qui l'arnaque. Déjà quoi ça. Voilà. Le voici encore dans un autre cham. Il est toujours par terre. C'est-à-dire qu'on ne le touche pas, il tombe déjà seul. Regardez. Regardez. Oup, il est à par terre. Il est... Le voilà couché. Toujours couché comme une femme. Le voilà en train d'insulter tout un peuple. Le voilà encore par terre. Un faiblard comme ça là. Le voilà couché. Couché. On peut être faible comme ça. Et c'est toi qui parles au Camerounais. C'est toi qui parles au Camerounais. Qui insulte les Camerounais. Hein? Déjà quoi ça? C'est toi qui peux parler au Camerounais. Parce qu'on est, on est calme avec toi. On te dit rien. C'est toi qui peux parler de Nganou. Tu t'assois, tu parles de Nganou. On va t'écouter. Ah, Nganou est qui? Oh, Nganou est qui? Oh, quand je le découvrais, vous étiez où? Wow. Qui t'a appelé ici? Messieurs, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand Nganou perd le combat contre Joshua, il lave Nganou. Les Camerounais ont pris ça à crédit. Nous, on appelle ça. Ils ont pris ça à crédit, ils ont mis dans la poche. Nganou gagne donc hier par le cas où vous avez vu. Tang. Nganou a mis par terre. Tang. Vous avez vu le combat, non? Maf. Il faut voir comment j'ai crié. Hey, Seigneur, j'ai failli avoir. Je vais montrer quand même. Je n'ai aucun droit sur ça. Voici ça ici. J'ai filmé tout, non? C'était à la maison. Quand Nganou fait tac. Voici ça ici. Moi, j'ai filmé ça de la maison. J'étais à la maison. Attendez. Voilà, c'est ça ici. C'est moi qui ai filmé ça. J'étais là. Je pleurais comme ça. Allez. Je criais. Maison. C'est fini. Le prédateur. Terminé. C'est lui. Francis Ngannou. Hey. C'est lui. Francis Ngannou. Quand tu vois le gars si quoi ça c'est ton niveau. C'est ton niveau. Et c'est toi qui veux venir parler. Tu dois dire Monsieur Francis Ngannou. Monsieur Francis Ngannou, ce n'est pas ton. Vous n'avez pas vendu les oignons ensemble au marché au Congo là-bas. Vous n'avez pas vendu les oignons ensemble au marché au Congo là-bas. Quand je parlais de Francis Ngannou, on va t'écouter parler. Il faut respecter les Camerounais. Tu as bouffé la tontine. Tu insultes les Camerounais. Tu nous traites de. On va lire tes textes. J'ai pris quelques-uns de tes textes. Il dit ici. Bonne nuit les amis. Priez pour moi avec les toilettes. Il dit que priez pour moi et que les autres prient. Que l'avion tombe, c'était un pays exécuté avec les toilettes pour la première fois. Il appelle les Camerounais les toilettes. Vous imaginez un manque total de respect. Bia, je t'ai appelé combien de fois? Un peu de respect. Même nous là, on veut que ça change. Mais il faut donner un peu de respect. Tu es politicien, tu es quoi? Pour finir, il prend le drapeau ambazonien, il met sur sa page pour choquer les Camerounais et il enlève parce qu'il n'a pas de couilles, parce qu'il n'a pas de force. Il n'a pas de force, il a déjà désactivé tout. Voilà ça sur sa page. C'était sur sa page. Voilà ça. Il traite les Camerounais de toilettes, de ceci, de cela. Bon, on va l'écouter. Après, on va décrypter ce que... Ce plaisantin parle là, les coachs de Mami Pima,
Les faux coachs comme ça, là, qu'on a. Anthony Joshua, mon ami Anthony Joshua. Ton ami quoi? Un imposteur comme ça, là. On a dit félicitations à Anthony Joshua dans son combat. Les Camerounais sont fâchés. Oh, nous sommes fâchés. Il fallait féliciter Joshua. Il fallait féliciter Ngannou qui a perdu par KO. Ah, je ne suis pas Camerounais pour féliciter Ngannou. C'est pourquoi? Attendez. Vous attendez? Je ne suis pas Camerounais pour féliciter Ngannou. Qui t'a demandé de féliciter Ngannou? Mais on s'en fout de toi. Des félicitations donnent quoi, Ngannou? C'est ton niveau? Tu parles, on dit, tu te prends trop sérieux. Dis quoi ça? Tu te prends trop sérieux. Les Camerounais n'ont rien à foutre de tes félicitations. Bon, tu n'as pas félicité Ngannou quand il a perdu avec Joshua. Ok. Hier, tu étais un des premiers à aller féliciter Ngannou quand il a fait le KO. Les Camerounais sont venus juste te rappeler que tu es un imposteur. Tu as lavé et rincé Ngannou ici. Tu t'es moqué de lui. Tu allais sur les pages pour le laver. Maintenant qu'il a gagné, tu es le premier à venir encore faire comme si tu l'aimais. Les Camerounais, ils achivent tout. Ils sont venus juste te rappeler ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu insultes tout un peuple. Tu insultes tout un peuple. On va t'écouter. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère. Vous ne me verrez jamais chez vous. Mais on s'en fout. On ne te veut pas. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui. En fait, je réalise seulement au Cameroun que si quelqu'un échoue, il faut le féliciter. Sinon, si tu ne félicites pas, tu es jaloux de son. On dirait un braqueur. Donc, moi, je ne suis pas jaloux de la victoire. Un imposteur. Voilà celui qui donne les conseils aux gens sur les réseaux sociaux. Je suis jaloux de la défaite d'Engano. Regardez-moi les conneries. Immédiatement, peut-être 5 millions de dollars. Là, je vais rentrer dans le ring combattre. Et je ne vois personne qui va s'élever contre moi, là. En fait, je réalise que la seule chose qui unit les Africains. Remarquez bien dans sa voiture. Il est toujours en train de guetter comme s'il était allé braquer. Il contrôle qu'on ne l'arrête pas. Comment tu... Un coach, tu n'as pas de classe, tu n'es pas posé. Regarde, tu fais une vidéo où tu parles à tout un peuple. Tu es comme si tu avais peur que une bonne lâcheté de Ngannou peut sortir derrière toi. On dirait un braqueur. Observez la vidéo. Observez la vidéo. Il est toujours en train de contrôler. C'est que va le nac. Vous le comparez à un Camerounais. Ils ne sont pas la même chose. Ils sont très différents. Regardez. Ils sont très polis, très humains. Voilà. Très gracieux, très sympathiques, très justes. Les Camerounais en général sont des irrespectueux. Voilà. C'est comme si on a pondu, on a laissé. Oui. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Les Camerounais sont des irrespectueux. C'est comme si on les a pondus. Voilà celui qui nous parle. Les Camerounais sont des irrespectueux. C'est comme si on nous a pondus. Il pouvait s'adresser à la personne qui lui parle. Il insulte tout un peuple. Nous sommes tous des irrespectueux. On nous a pondus comme on nous a sortis des toilettes. Et on ne va pas lui dire ce qu'on pense à Jack Kwasa, qui est comme un braqueur. Un gars qui est parti faire la boxe, ça l'a dépassé. Il est venu se recycler coach de vie. Tout un boxeur est devenu coach de vie sur les réseaux sociaux. À bagarrer matin, midi, soir avec nous sur Internet. Papa, quand on a touché les bassins et les bassins, 6 millions de dollars, on ne se recycle pas en coach de vie. On ouvre une bonne société, on emploie les gens, on fait des bonnes choses. On n'est pas sur Internet à commenter le Congo ça avec nous. Dès qu'il y a un Congo ça, tu es derrière dedans pour commenter avec nous. Laisse-nous aussi les petits miettes là, non. C'est toi qui es milliardaire. Tu es milliardaire, mais tu es sur Internet avec nous. Dès qu'il y a un petit Congo ça, tu as mis ta caméra pour aussi gratter les miettes là. Et c'est toi qui nous donnes les conseils. Oh, je suis coach de vie. Oh, les hommes, ne faites pas comme ça. Oh, musclez-vous. Oh, machin ceci. Oh, machin cela. Le tout que tu prends sur la place de quelqu'un, tu as 5 millions de dollars dans ton compte. Tu fais quoi sur Internet? À chercher à gratter 5, 10, 15 euros pour faire des vues, pour essayer de gagner de l'argent. La mythomanie va vous tuer sur Internet. Et je vois des gens s'inscrire pour écouter des conseils de ce bras cassé, de ce perdu. Il est qui pour vous donner les conseils de vie? Quand vous regardez sa vie là, il a réussi. Quand un millionnaire, milliardaire ne se pavane pas sur les réseaux sociaux à guetter le Ndiapap avec nous et faire le commentaire. Oui. Un millionnaire n'est pas sur Ndiapap, a dit qu'envoyer les étoiles. Un millionnaire n'est pas sur TikTok en train de dire tapoter sur YouTube. Dès qu'il y a un petit Ndiapap, il est assis sur YouTube avec ses aides de parvenus bien arrivés. Oui, mes chers frères, si vous ne comprenez pas, faites comme ça. Faites comme ça. Maman, les jacuzzi, là, nous tous, on peut se filmer dedans. On a dormi dedans jusqu'à finir.
Tu parles à qui des Camerounais? Les viveurs comme les Camerounais? Je crois que tu ne suis pas bien les Camerounais. Hein? S'il y a des gens qui vivent, qui mangent la vie en diaspora, il n'y a pas plus que les Camerounais. Il n'y a pas plus que les Camerounais. Il faut aller te vanter là-bas, dans ton village là-bas. Ici, les Camerounais, là, en diaspora, il n'y a pas un peuple qui mange l'argent plus que les Camerounais. Il faut nous respecter. C'est comment? C'est quoi ces histoires que vous venez souvent jouer les impostures et tu insultes tout un peuple? On ne va pas te dire ce qu'on pense. Chouin! Vous allez me faire quoi? Même dans les rues ici, vous allez rien me faire. Vous allez me voir, ah, c'est lui, c'est tout. Parce que moi, je vais taper même 99,9% des Camerounais dans tout Cameroun. Eux aussi. Bon, je laisse le 0,01% par respect. Par respect. Il peut taper. Il peut taper 99% de Camerounais. Il peut taper 99%. Attends, tais-toi d'abord. Oh, tu fais trop de bruit. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois. Il peut taper 99% de Camerounais. Mais on a vu un petit blanc en train de le chicoter ici là. Il peut taper 99% de Camerounais. Bon, le petit blanc qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa sur le ring là, c'était qui? C'était un Camerounais. On peut faire danser. Tu veux voir ça? Il y a un blanc qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa. Attends, on va voir. Tu peux taper 99% de Camerounais. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, le petit blanc là, qui a les petits muscles là, qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa sur les rings là, c'était nous. Donc, le petit blanc qui t'a nac là, 99% des Camerounais peuvent le nac, même moi. On me met devant le blanc qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa là, moi me le gifle. Moi me le tape. Le petit blanc qui est vu là, tu veux voir ça? Comme tu bats 99% des Camerounais, moi je te dis aujourd'hui là que le petit blanc qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa là, moi-même, on me met à côté de lui, je le tape. Je le tape et je vais dormir à la maison et il n'y a rien. Mais je te dis la vérité. Le petit blanc qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa là, on me met, je le nac. Un Sénégalais, vous le comprenez. Je le nac. Moi, je le nac. Oui, je te le dis. Bon, tu me vois ça. Le petit blanc là, il t'a fait danser le Kwasa Kwasa. On peut tournoyer ce soir comme ça. On va voir ta part de danse. Je peux battre nanana pour ça des Camerounais menteurs. On va. Hey, calme-toi d'abord, tais-toi. Allons voir ta part de danse. Attends, c'est où? Voilà ta part de danse. Voilà le petit. Je te rappelle que le mince blanc là, on met devant moi je le nac. Je le tape propre. Et je rentre à Barenté m'asseoir. Je bois le vin blanc. Bon, si le petit blanc là te nac, c'est nana 9% de Camerounais que tu vas nac. On peut être comme ça? Mais c'est comment même avec vous? Parce que nous les Camerounais, on est calme, on est poli, on est respectueux, on se prend pas au sérieux. Tu vas venir manquer de respect à tout un continent. Jack Kwasa Kwasa, toi tu es qui? Tu es né quand? Tu vas venir manquer de respect à tout un continent. Les continentais. Tu n'es pas encore né mon petit. J'ai dit que le petit blanc qui t'a fait danser le Kwasa Kwasa là, moi la baronne, on me met sur le ring, je le nac et je vais dormir à la maison. Et puis il n'y a rien. Lui t'a fait danser le Kwasa Kwasa. Et c'est moi la baronne qui peut nac le blanc là. C'est 90% des gars qui portent le sable au Cameroun que tu vas battre. Mais il faut respecter les continents. Hey, mon petit. Je ne sais pas ce que tu bois ces derniers temps là, mais il faut redescendre par terre. Jack, quoi ça, quoi ça. Redescends vite par terre. Parce que les continentaux là, quand ils se fâchent, tu ne peux rien. Je dis même qu'à Paris là, tu t'amuses. Le dernier continentaux qui a fait le désert, tu le manques de respect. Il te chicote, il pose sur la tête et il part jeter. À Paris, dans le. Comment on appelle le fleuve de Paris là? Il faut faire attention. Hein? Ne parle pas comme ça, tu t'amuses avec les continentaux. Faut te calmer, mon petit Jack, quoi ça, quoi ça. Faut pas parler comme ça, les continentaux, ils écoutent pas deux fois, une fois. Hein? Tu vas t'amuser, un gars qui a Boza, il te croise à Paris, il te dit que mon frère, Hugo, répétez ce que tu as répété des continentaux, que nous sommes les toilettes.
Tu t'amuses, tac, 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 il te porte, il te jette dans la sanaga de machin de Paris là, et il part dormir. Un gars qui a fait le désert, tu veux parler ça, c'est pas parce que tu as les muscles, hein, que tu peux battre 90%. Voici ton égal ici, un petit blanc, il t'a... On peut chicoter quelqu'un comme ça. Voici ta part de bagarre. Quand tu fais la boxe... Voilà. On dirait un sac de patates. Alors voilà, c'est la tête. 1, 2, 3, tu peux te lever encore. Vas-y, 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 vas-y. Le voici debout. Attention, le voilà, il donne le coup. Tchou, il tombe lui-même. Hey! 1, 2, 3, lève-toi. 8, 9, il part encore, il part encore, attention, 9, il est par terre, hey! Non, 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 la Bible a dit que ça va, ça va, ça va, la Bible a dit que ça va. Ça va, on peut pas danser le poisson. La vie t'a dit que tiens, vous êtes sûr qu'il est boxeur? Vous êtes sûr que le gars, si il s'est entraîné, comment il donne le coup de poing, il tombe de vous, il fait le tour sur lui, mais il tombe encore seul. Le blanc même ne bouge. Et c'est lui qui peut naquer les continentaires. Il peut naquer 90% des continentaires. Le voici. Petit bagarre. Un petit blanc l'a corrigé. Ah, on peut faire ça? Eh, papa, reste avec nous dans le Congo, ça de Facebook et de YouTube et TikTok ici. Reste comme ça. Ne cherche pas la bagarre que tu ne peux pas. Je t'ai dit que tu ne peux pas battre 90% de Camerounais. Tu mens. Petit, ton petit, ce qui te trompe là, ce sont tes muscles pleins d'eau là. Faut faire attention. Je t'ai dit que tu crois un bosailleur à Paris, tu lui parles mal, hein, tu vas même pas croire. Je t'ai dit ça. Il est plus mince que le blanc qui t'a chicoté, tu ne savais même plus où tu habitais là. On peut battre quelqu'un comme ça? Tout un ring, tu es sur un ring. Tu donnes les coups de poing en l'air. C'est-à-dire que tu donnes les coups de poing sur toi-même, tu tombes toi-même. C'est-à-dire que c'est même pas que tu donnes. Le monsieur ne t'a même pas touché. Si on regarde la bagarre, là, tu as bagarré contre toi-même. Le combat de boxe, là, tu luttais contre toi-même. Le blanc, là, il ne te touchait pas. Tu veux donner le coup, tu tournes comme ça, tu tombes. Tu te lèves toi-même. Tu donnes le coup de pied, tu tournes dans l'air, tu tombes. Broum, sur toi-même. Le monsieur ne te touchait pas. Imagine-toi si le Watt, là, vrai, t'allumait. Mais c'est qu'on t'a perdu depuis. Si le Watt là t'a allumé vrai, comme j'ai vu Francis allumer Ferreira là. Mais c'est qu'on t'a perdu. C'est que tu n'es pas sur Facebook en train de faire le bruit que tu fais là. Peut-être que tu as... C'est qu'on est encore en train de masser tes côtes là depuis. Tu viens insulter tout un peuple. Chouaille. On va t'écouter. Non, le son comme ça. Allons l'écouter. Un plaisantin comme ça. Un Sénégalais, vous le comprenez, un Camerounais, c'est le nuit. Laisse les Sénégalais, tout ça. Personne ne t'a demandé de défendre un peuple. Parle pour toi. Si ça vous dérange, vous voyez la manipulation? Il prend les Sénégalais, les Burkinabés, les machins pour mettre contre les Camerounais. Pour traîner l'Afrique derrière lui contre les Camerounais. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Tu as un problème. Les Sénégalais ne t'ont rien demandé. Quand on a les problèmes avec les Sénégalais, là, nous, on gère. Quand on est prêt avec les Burkinabés, on gère. Quand on est prêt avec les Ivoiriens, on gère. C'est d'abord notre belle famille. Donc on gère ça tous les jours. On n'appelle pas quelqu'un. C'est une place. Mais toi, tu as les problèmes. Tu peux porter tout un peuple sur ton dos, tu insultes. Tu peux maintenant chercher les renforts chez les Sénégalais, les Burkinabés. Laisse les peuples là tranquilles, ils ne t'ont rien demandé. Gère ton faux cop seul. Tu allais insulter un peuple seul. Ils ne t'ont pas envoyé. Un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent. Non, je ne suis pas celui-là. Je n'ai pas besoin de vous.
vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Il faut aller chercher. Vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez à insulter. Mais remets. Tu as peur de quoi? Qui te suit? Jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzi au Cameroun. C'est où? Il n'y a pas les jacuzzi au Cameroun. Non, mais franchement, quoi. C'est la douche comme ça, derrière la maison. N'importe quoi. Vous mettez, c'est vous, vous parlez pas, vous mettez les organes. C'est une terminologie à la camerounaise qu'on entend au Cameroun. Vous mettez trop les organes. C'est ça. Il faut être léger dans la vie. Le combat dont vous parlez là, vous dites que j'ai perdu. On m'a payé des millions de dollars. Oui. Je voudrais même que le type là me tape. Non, on t'a payé les millions de dollars. Tu fais quoi sur Internet à gratter les 500 francs avec nous? Si on t'a payé, un millionnaire n'est pas. Que dès qu'il y a un petit Congo ça, il a allumé son truc pour faire le Congo ça. Les millionnaires sont dans les trucs politiques. Ils parlent des affaires. Ils parlent des grands. Ils sont dans les grandes conférences. Ils ne sont pas sur le Congo ça sur Facebook et TikTok et Internet. Hein? Non, 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 non. Tu es millionnaire en millions de dollars. Tu n'es pas assis avec nous ici. Que dès qu'il y a un petit Congo ça, tu as allumé ta caméra pour faire le Congo ça. Tu as récupéré le buzz. Non, 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 non. Les millionnaires sont dans les trucs. Ils ne sont pas dans le buzz. Ils sont dans les trucs de conférences, des machins. Si tu avais nous ici, hein, ce que tu cherches encore, papa, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as gagné quel combat qui t'a donné. Là où on t'a chicoté, là. Je suis sûr même que tu n'as même. Tu as gagné quel combat qui t'a donné des millions de dollars. Un menteur, un mytho. Et pourquoi tu grattes tout le monde sur Internet en disant que tu es le coach? Tu grattes les gens en disant que tu es le coach. Quel coach? Quelqu'un qui a les millions de dollars. On a vu. Les anciens boxeurs sont les entraîneurs, les ceci, ils sont dans les clubs, ils montent les enfants. Tu es ici sur Internet avec nous. Tu es sur Internet, tu es calé sur Internet avec nous. Donc, je suis coach, j'ai gagné des millions. Menteur! Faut mentir ceux qui ne te connaissent pas. Tu es un gros mytho. Je voudrais même que le type là me tape encore une fois. Vous vous moquez dans la pauvreté avec 30,50 € en banque. Vous n'avez rien à me dire, rien à m'apprendre. Quand je félicite Ngannou, ce n'est pas votre frère. Mais tu as même peur de qui depuis tu tournes la tête à gauche à droite. Tu fais une vidéo, tu n'es pas serein. Tu fais une vidéo, tu n'es pas serein. Tu n'es pas serein. C'est ça vos frères. Tu n'es pas serein. Vous pensez que vous avez l'exclusivité de lui? Vous n'en avez pas? Hein? Tu fais une vidéo, tu as peur, peureux. Il faut arrêter vos bêtises, venir. Un frustré, jaloux, aigri. Si je ne passe pas dans vos radios, donc ce n'est pas moi. Si moi, vous ne me faites pas des vidéos, donc ce n'est pas moi. Non, on t'a fait. Vous allez faire des vidéos sur moi. Oui, on est en train de le faire. Oui, on est en train de le faire. Si tu es garçon, débloque, enlève, laisse que les commentaires viennent sur ta page. N'est-ce pas, tu as désactivé ta page, tu es parti mettre qu'on ne peut plus commenter. Parce que tu n'as pas le cardio. Si tu as le cardio sur ta page, là, laisse les gens viennent commenter. Ça a commencé sur Internet, hein. Ça va finir sur Internet. On ne parle pas ailleurs, on est sur Internet. Ça montre que tu n'as pas de cardio. Et puis ça montre que tu n'es même pas un homme. Tu mets les choses, toi-même tu effaces. Tu insultes un peuple, dès qu'on pose un peu, tu effaces. Tu poses un poste, tu effaces. Non, parce que tu n'es pas garçon. Un garçon met des choses, il assume. Mais tu assumes quoi? Rien. On passe sur ta page, on ne voit presque rien parce que tu as assumé, tu as enlevé les commentaires, tu as enlevé tout. Tellement que tu as peur des Camerounais. Si tu es garçon, il faut mettre ce que tu mets là. Tu assumes, tu laisses les commentaires. Tu laisses, on vient te répondre. C'est un débat, tu laisses le débat ouvert. Tu ne fais pas un truc, tu pars te cacher. C'est comme si tu donnais le coup de poing à quelqu'un, tu pars te cacher derrière la maison. Tu donnes les lâchetés, tu fuis, non. Si tu es garçon, tu déposes un poste, tu laisses les commentaires, tu nous laisses venir répondre. Tu ne peux pas insulter un peuple, tu les empêches de répondre. C'est une accusation. Laisse-nous venir te dire ce qu'on pense. Non, mais tu désactives les commentaires. Tu désactives les commentaires. Et puis tu mets un poste, c'est toi qui enlèves. Parce que tu n'es pas garçon. Moi, je ne sais même pas comment tu as fait pour faire la boxe. Mais oui. Oh, j'ai gagné des millions de dollars. Non. Vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision. Moi, je suis l'ami de Bia, je ne suis pas votre ami. Tu n'es pas l'ami de Bia. Vous avez parlé. Du gros n'importe quoi. Tu connais Bia où? Quand je suis l'ami de Bia. Tu es l'ami de Bia où? Et puis tu lui parles mal comme ça? Menteur. C'est de la merde. C'est des problèmes, des histoires. Oh, lui, il a dit ça. Et d'ailleurs, lui, il a rien. C'est toujours vos histoires, là, on connaît ça. Ok, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut avoir honte. Même les femmes, on a l'impression. C'est une femme qui parle ou c'est un enfant de la rue. On se pose la question. Pourquoi? Zéro caractère. C'est incroyable. Si vous pensez que je ne vaux rien, il faut m'ignorer. On ne va pas. Non! Mon type, tu ne vas pas insulter les gens. Hein?
Tu ne vas pas insulter les gens. Tu leur demandes de t'ignorer. C'est toi qui es venu insulter le peuple camerounais. Et le peuple camerounais veut te répondre par lâcheté. Tu désactives. C'est toi seul qui as le droit de parler. Et quand on vient pour répondre, tu désactives les commentaires. Tu ne nous laisses pas s'exprimer et te dire ce qu'on pense. Si tu es garçon, tu laisses le débat ouvert. Et nous, les continentaux, on vient te répondre. Et puis ça ne chauffe même pas un peu. Mais oui, ça ne chauffe même pas un peu. Kobia, Bia, Bia, c'est ton égal. Vous avez mangé le chikwang ensemble. Dia quoi ça, tu le connais où? Vous avez mangé, je t'ai dit que nous on a nos problèmes internes. Hein. Mais là, je vais te dire ce que je pense. Même le président de ton pays, je ne vais jamais l'appeler par le nom. Je vais toujours l'appeler monsieur le président, par respect. Puisqu'il a occupé ces fonctions-là, il faut toujours habiller le nom d'une autorité. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est quoi ça? Tu es sur Internet avec nous, en train de nous pomper l'air. On ne peut pas te dire ce qu'on pense. Tu n'as pas le cardio, ne viens pas sur Internet. Tu es venu sur Internet, tu parles un truc, on te répond, tu fuis. C'est toi qui as désactivé les commentaires et c'est toi qui insultes les Camerounais. On ne peut pas dire. C'est quoi ça? Bieko, Bia, c'est ton ami? Vous avez cueilli les primes ensemble? Déjà quoi ça? Un lâche comme ça, un frustré, un faux coach. Un frustré, un faux coach. Des imposteurs comme ça qui se disent coach. Vous avez vu, non? Vous qui allez payer les coups pour les faux coachs que nous avons sur les réseaux sociaux là. Voilà l'autre derrière, voilà l'autre. Il va venir vous donner les conseils, demain vous allez payer. Des imposteurs comme ça là. Quelqu'un que même sa propre vie l'a dépassé. Il vient vous donner les conseils sur votre propre vie. Un imposteur. Pourquoi vous n'arrivez pas à m'ignorer? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nganou doit briller, il faut aussi que vous parliez des actes. Pourquoi? Je ne veux pas laisser Nganou briller lui-même. Laisse Nganou tranquille. Tu l'as lavé, nettoyé. On est venu te rappeler ça. Tu as lavé Nganou. Laisse Nganou. Nganou n'est pas ton ami. Nganou, c'est un boss. Vous avez quel genre de comportement du village comme ça? Vous êtes tous venus du village ou quoi? Ce n'est pas croyable. En fait, tu cherches une personne sérieuse. Il n'y en a pas. Ils sont tous comme les enfants. Mais bien habillés, ils ont fait l'université. Donc, tous les Camerounais sont comme des enfants. Ils ont fait l'université, mais ils sont comme des enfants. Ils sont nuls. Donc, quelqu'un comme ça va nous insulter. On ne va pas lui dire ce qu'on pense. Mais vous êtes malade, hein? Moi, là, je ne peux pas fermer ma bouche sur lui. Je vais lui dire ce qu'il pense. Moi, je ne suis pas une nulle, hein? Ah non. Moi, je ne suis pas une nulle, hein? Ah non. Dis quoi ça? Je ne suis pas une nulle. Toi, là, même, j'ai dit que tu ne vaux pas une bonne partie des Camerounais de la diaspora. Je te le dis ça, hein? Tu ne vaux pas une bonne partie des Camerounais de la diaspora. Même au Cameroun, il y a des gens que tu peux aller laver le sol chez eux. Faut arrêter de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. C'est quoi que tu te sors de nulle part, tu insultes tout un peuple, on ne peut pas te dire ce qu'on pense. Hein? Parce qu'ils sont tous comme des enfants, mais bien habillés, ils ont fait l'université. C'est incroyable! Qui vous a éduqué? C'est toi. Il n'y a pas d'éducation au Cameroun. Hein? Ah, vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous savez parler plus que les autres. Non, vous n'avez jamais testé. Moi, je vais vous mettre au travail. Non. Tu ne nous as pas mis au travail. Le problème qu'il y a, c'est que tu ne joues pas franc jeu. S'il n'y a pas d'éducation au Cameroun, qu'on s'entende ça. Tu lui as dit que tu nous mets au travail. Ok, nous sommes au travail. Nous sommes venus tranquillement sur ta page répondre. Tu as fui. Mais réactive les commentaires sur ta page. C'est sur Internet que ça se passe. Personne ne pleure, personne ne fuit. Tu es venu dire que, oh, vous êtes ceci, vous êtes cela, on accepte. Ok, réactive les commentaires sur ta page. Tu laisses les Camerounais venir répondre à toutes tes accusations. Simplement, personne ne pleure. Ouvre ton mur, laisse les gens venir s'exprimer. Tu as dit que tu es un démocrate, tu es ceci. Laisse les Camerounais venir te dire deux mots. Sans état d'âme. Et je peux te dire que chacun de nous peut te répondre. D'accord? Donc, tu ne peux pas venir insulter tout un peuple pour te faire grand. Laisse la victoire de Francine Ganou. Tu viens derrière Francine Ganou chercher la lumière. Mais oui. Tu viens derrière Francine Ganou pour chercher la lumière. Les Camerounais te rappellent juste que
Tu fais partie des gens qui se sont moqués de lui, qui l'ont insulté quand il a perdu son dernier combat par KO. Tu l'as nettoyé, vidé, repassé. Les Camerounais ont juste rappelé ça. Tu insultes tout un peuple. Pourquoi on ne peut pas te dire ça? Et maintenant, tu es là, tu insultes les Camerounais. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais on va te répondre. Puisqu'on ne peut pas venir te répondre sur ton mur, tu as bloqué les commentaires. Sinon, on n'aurait pas fait la vidéo. Je serais venu écrire sur ton mur ce que je pense. Je serais venu bien écrire. Mais puisqu'on ne peut rien commenter, autant nous aussi on fait la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en te promenant, tu vas voir ça au moins c'est quelque part. Puisqu'on ne peut pas écrire sur ta page, tu peux, en te promenant, tu peux voir au moins ce qu'on a dit. Plaisantin va. Commencez la vidéo aujourd'hui. Au fait, profitez maintenant parce qu'il y a le trend. Parce que maintenant c'est chaud. Ça vous permettra de faire des vues, vous ferez un peu d'argent. N'importe quoi. Mais tu es sur... Hein? Ça nous permettra de faire des vues, mais tu es sur Internet avec nous dans le Congo, ça? Tu es sur Internet. Les millionnaires, là, ils sont sur les pages des grands là-bas pour faire les vraies choses. Tu es sur Facebook et TikTok avec le Congo, ça? Et nous? Toi-même, tu fais les vidéos, là, tu es en train de prendre la petite lumière qu'un gars nous a fait pour faire un peu de ton buzz et avoir l'argent. C'est tout! C'est tout! Je vais vous éduquer. Parce que vous pensez tu vas nous éduquer. Moi, je parlais de Francis Ngannou comme... Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer. Français, il n'y a pas. Toi, tu es en Europe depuis là. Il vit même où? Il vit en Europe, non? Même français là. Depuis que tu es en Europe là. Même parler bien. Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer. Tu as compris avec quoi? Donc, depuis que tu es en Bengala, même éduqué, tu n'as pas pu... Tu n'as pas pu... Essayer de cadrer un peu pour bien parler français. C'est les Camerounais que tu vas venir éduquer. Je vais vous éduquer. Apprends d'abord à dire éduquer. Je vais vous éduquer. Chers Camerounais, je vais vous éduquer. Za quoi ça, quoi ça. On ne dit pas éduquer. Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer. Non, 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 non. Tu as un bain depuis. Tu as un bain depuis. On dit, chers Camerounais, je vais vous éduquer. Tu as compris avec quoi? Chez Camerounais, je vais vous éduquer. On ne dit pas, je vais vous éduquer. Tu es depuis ici, depuis 20 ans, 30 ans. Même éduquer là, tu n'arrives pas. C'est toi qui vas éduquer. Français là, c'est compliqué dans ta bouche. Français, tu n'arrives même pas à parler. C'est toi qui vas éduquer. On peut être autant comme ça dans zéro. Même éduquer là, tu n'arrives pas. Et c'est toi qui vas nous éduquer. Tu es en bain depuis. Éduqué là. En temps normal, tu aurais déjà pu bien prononcer. Même mon enfant qui est sorti du pays. Je dis que nos derniers enfants, dès qu'ils arrivent ici, 2 ans après, ils connaissent. Tu es ici en bain. Vieux papa, tu as déjà vieilli en bain. Petit éduqué là te dépasse. Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer. Éduquer. Écrivez. TikTok. Vous êtes près de 600. Facebook, écrivez éduquer. Za quoi ça, éduquer. Tout le monde écrit éduquer. Écrivez, je vais vous éduquer. Écrivez, écrivez, écrivez tous. Éduquer. Je vais vous éduquer. Et non, éduquer. Éduquer. Za quoi ça, on ne dit pas éduquer. On dit éduquer. Dia quoi ça, je vais vous éduquer. Écrivez tous éduquer. Comme ça, il va lire. Vous écrivez, vous espacez même. Vous mettez un truc comme on fait à l'école pour qu'il il apprenne à dire ça. Éduquer. Je vais vous éduquer. Voilà. On commence par là. On commence par là. Dia quoi ça. Commencez d'abord par bien prononcer le français avant de vouloir éduquer le continent. Parce que nous, la français, là, on a fini avec. Non, franchement, tu peux tout nous dire, hein, mais là-bas, là, on est fort. Ah oui, oui. Chaque Camerounais qui se respecte par le français et presque l'anglais. Donc, tu ne vas pas venir nous éduquer. Nous, maintenant, on va te mettre l'alphabet comme à l'école. Dia quoi ça, quoi ça. Prends le cahier. Prends le bic
et tu t'assois au premier banc, bien sage, bien assis. Nous, maintenant, on t'explique comment on fait. Donc, Jack, quoi ça? Prends le cahier, prends le bic, tu te mets à la première place devant ta maîtresse, baronne suisse officielle. Elle va t'apprendre comment on écrit le mot éduquer. Éduquer, pas éduquer. Éduquer, c'est pas français, c'est pas anglais, c'est pas allemand, c'est rien. Ça ne veut rien dire en français. En bon français, on dit éduquer. Chers Camerounais, je vais vous éduquer. On répète ensemble. On répète ensemble. Jack, quoi ça, on répète. Chers Camerounais, je vais vous éduquer. Voilà. Notez, éduquer. Vous derrière la salle, dites à quoi ça. Les Camerounais, on répète tous ensemble. Éduquer. Tu as compris avec quoi? C'est toi qui vas nous former à l'école. On t'a fait quoi? Pourquoi l'imposture vous dérange? Toi là, tu peux nous éduquer. Internet vous donne des ailes. Hein? Voilà les coachs, voilà la part de coach. Voilà les coachs, même français dans sa bouche. Depuis 40 ans qu'il a en bain. Même petit mot français le départ, c'est lui qui donne les cours. C'est lui qui donne le coaching. C'est lui qui donne l'éducation aux gens sur Internet. Mais vous n'avez pas honte aussi, chers Africains, de vous faire emballer par des imposteurs? Petit mot éduquer le dépasse. Il est en bain depuis. Même essayer de prononcer bien les choses le dépasse. C'est lui qui va venir éduquer les Camerounais. Mais je vais vous éduquer. Nous, Camerounais, on dit éduquer. Et puis, sachant, on peut dire ça en dormant. Il peut me réveiller le matin. On dit qu'on dit éduquer. Voilà. Il faut nous respecter. Hein? De toute façon, on ne parle pas beaucoup. C'est comment? On va se réveiller, n'importe quel pisseur va venir parler à tout un peuple et puis on ne peut pas leur dire ce qu'on pense. Vous croyez que vous êtes où là? Tu peux éduquer les Camerounais? Il ne faut pas nous manquer de respect. Il faut aller d'abord éduquer ta famille. Parce que moi, je ne peux pas insulter le peuple congolais, ils ne m'ont rien fait. Et je suis sûr même qu'ils ne sont pas d'accord avec tes plaisanteries là. C'est les naïfs que tu trompes, hein? Les vrais gens, là, bien éduqués, là, ne se peuvent pas suivre tes mensonges, là. Un danseur de quoi ça, tu viens insulter tout un peuple. C'est quoi ça? Que je vais vous éduquer. Choua Nambunga. Quand toi, tu avais pas... Elle, sa tête comme le truc. Elle va là-bas. Voilà celui qui nous parle. Voilà ça. On dirait un braqueur de Ligue Mbamba. C'est lui qui peut venir éduquer les Camerounais et vous éduquer. Les réseaux sociaux vous donnent les ailes. Il faut respecter le peuple camerounais. Faut nous respecter. Petit plaisanteur là. C'est comment même avez-vous? Parce qu'on est calme. Je vais vous éduquer. Je vais éduquer. Toi, tu peux éduquer les Camerounais. Va d'abord éduquer ta propre famille. Français difficile dans ta bouche, tu vas même casser tes derniers dents qui sont dans la bouche pour essayer juste de prononcer éduquer. Peut-être les derniers dents qui sont dans ta bouche peuvent sauter parce que tu cherches à bien prononcer le mot éduquer. Maintenant là, c'est sur Camerounais que tu vas venir. C'est-à-dire que les derniers dents peuvent sauter dans ta bouche parce que tu cherches à dire le mot éduquer. Nous on fait pas d'effort pour dire éduquer. Nous on dit éduquer, ça va, ça coule de souche, c'est français, c'est propre, on dirait du miel, éduquer, on peut le dire en dormant, donc tu ne peux rien créer un Camerounais, tu as entendu avec quoi, avec tes narines on dirait l'autoroute qu'on n'a pas encore construit au Cameroun, narines on dirait quoi là, tu crois que quoi, tes narines plates on dirait tu peux construire l'autoroute au Cameroun avec ça. On peut poser ça, les voitures montent sur ça. Tes grosses narines là, ça peut faire l'autoroute. Ça peut même aider les Camerounais à rouler une fois sur une route. Oui? Tout ton visage là, on voit que tes grosses narines là, qui peuvent même aider pour une fois, on roule normalement sur la route au Cameroun. Éduquer. Tu vas éduquer les qui? Comment? Parce qu'on vous laisse, tu viens insulter tout un peuple. C'est même comment avez-vous? Non, faut pas nous insulter. Tu peux insulter les gens qui te parlent mal sur ta page, mais tu n'insultes pas un peuple. Sinon, on va s'asseoir, on va te répondre, et puis il n'y a rien.
On ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas insulter tout un peuple de toilettes, de machins. Non. C'est quoi? Le Cameroun, c'est votre serpier. Que chacun se lève, on nous dit ce qu'on pense. Parce que vous entendez, on s'engueule sur les réseaux sociaux, Ibou et Église, on rigole et tout. Vous croyez que vous pouvez sortir de nulle part pour venir insulter tout un peuple et on va s'asseoir, on va vous dire bravo, merci. Non, on va vous répondre propre. Et puis ça ne chauffe pas. Si tu es garçon, désactive, laisse les commentaires sur ta page. Parce qu'on ne pouvait pas aller venir commenter que j'ai fait la vidéo. Je voulais aller te dire deux mots sur ta page. Mais je ne pouvais pas. Tu as bloqué les commentaires. Maintenant, si tu es garçon, débloque les commentaires. On va te dire ça en face. Shwana Mbunga. C'est comment avec toi? Shwana Line, Shwana Mbunga. Parle encore mal des Camerounais, tu vas comprendre ça sur toi. C'est comment? Parce qu'on vous laisse. Ok. La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon mardi à tous. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Partagez. Partagez partout. Allez déposer ça sur la page de Messier Kwasa, alias Édiqué. Allez poser tous ces directs-là sur la page, comme il a bloqué. Partez là-bas, vous portez ça. Vous partez poser sur la page de Jack Kwasa, alias Édiqué. Qu'ils comprennent que les Camerounais sont debout et ils vont lui dire ce qu'on pense. Qu'ils se lèvent encore, ils se paient pour insulter un peuple. On ne va pas lui dire. Shwana Mbunga. Comme je vous ai dit, mes chers amis, n'oubliez pas, voici ma nouvelle page TikTok. N'oubliez pas le 9 de ce mois, le 9 novembre, Benji Mateke sera du côté de Noisy-le-Sec. Et le 23 novembre, ça se passe à Fribourg, en Suisse, avec le grand Moni Billet. N'oubliez surtout pas. Et ça, c'est ma page TikTok, la nouvelle page TikTok, comme je vous ai dit. Allez vous abonner, baronne.suisse.officiel sur TikTok. Voilà ça. Abonnez-vous. C'est ma nouvelle page. Allez vous abonner là-bas. Vous êtes près de 18 000 ici. Allez vous abonner là-bas parce que bientôt, nous ferons les directs là-bas. Merci beaucoup à tous. Je vous adore. Je vous aime. Et n'oubliez pas, nous sommes le continent. Nous sommes le continent. Nous sommes le peuple camerounais. On nous respecte, on vous respecte. Vous nous manquez de respect, on vient vous dire ce qu'on pense. Vous pouvez vous engueuler avec les Camerounais, vous pouvez leur dire ce que vous voulez sur la page, mais vous n'insultez pas tout un peuple. Celui qui insulte tout un peuple, on s'assoit sur ses mimbans et on lui dit ça, et puis ça ne chauffe même pas. Ça ne part même pas quelque part. Donc, Zach Kwasa, ce n'est que l'avertissement. Ce qu'on t'a fait là, c'est l'avertissement. Tu as compris avec quoi? Donc, Jack Kwasa, alias Édiqué. Jack Kwasa, alias Édiqué. Ce qu'on t'a fait là, c'est l'avertissement sans frais. La prochaine fois, hein, le continent va se déposer sur tes mimbans. On va s'accrocher sur tes mimbans, tu ne vas pas croire. Et personne ne viendra nous enlever sur tes mimbans. Même tes frères ne pourront pas nous décoller sur tes mimbans. Donc, ne te permets plus de venir insulter un peuple de toilettes, de microbes et de tout ça. Ne tente même plus. Tu as compris. Passe ta route. Excuse-nous. C'est bon là. Mais si tu continues, nous on a le cardio. Hein. Peut-être que tu ne connais pas bien le peuple camerounais. On a le cardio pour toi. Et tu ne vas même pas croire. J'ai fini. Attends, je finis vite le live. Donc, c'est ça. Donc, monsieur Édiqué, Jacques Kwasa, c'est le premier et le dernier avertissement. Et si tu es garçon, désactive les commentaires. On se gère sur Facebook, TikTok. Personne ne pleure. Personne ne pleure. Si tu es garçon, ouvre tes commentaires. On vient te dire ce qu'on pense. Shwana Mbunga. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci. Merci à tous.